Bonjour, suite au décès de Guillaume Batz, on s'attendait à un message de Jérémy Ferrari. Et ce qu'on a reçu, c'est quelque chose d'assez horrible, puisqu'il raconte qu'il a trouvé le corps de l'humoriste dans son lit. Depuis hier soir, j'ai reçu des milliers de messages de soutien et quelques vannes plus ou moins drôles. Vous êtes très nombreux à me demander ce qu'il s'est passé. Guillaume devait donner une conférence hier à 19h30. Il ne s'est jamais présenté et ne répondait pas à nos appels. Je me suis rendu chez lui. Je l'ai trouvé décédé dans son lit, probablement dans son sommeil. Mais cela reste à confirmer par les médecins. Je ne souhaite pas m'exprimer sur ma peine dans les médias ou dans la presse, malgré les nombreuses demandes qui m'ont été faites. Guillaume était mon petit frère et j'aimerais qu'on se concentre sur lui, son talent, son courage, sa force, sa lumière. Quant à moi, je suivrai son exemple et dès demain, malgré la douleur, je continuerai à essayer de vous faire rire du mieux que je peux. Toutes mes pensées à ceux qui l'aimaient autant que moi, Jérémy Ferrari.